Invite chez toi, invite le Saint-Esprit chez toi. Bien-aimé, invite le Saint-Esprit chez toi. Ouvre la porte de chez toi. Tu dis, Seigneur, je t'ouvre la porte de chez moi. Entre, je t'invite. Entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Je t'invite, Saint-Esprit. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Mon paraclet. Viens, entre dans ma maison. Assiège-toi dans ma maison. Assiège-toi dans ma maison. Assiège-toi dans ma maison. Je t'invite. Que le roi des rois entre dans ma maison. Que le roi des rois soit élevé dans ma maison. Que le roi des rois entre dans ma maison. Que le roi des rois soit élevé dans ma maison. Que le roi des rois soit élevé comme un étendard chez moi. Comme un étendard sur chaque situation. Je te loue, je t'exalte. Je t'adore, mon Père. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, le Saint-Esprit. Je t'adore, le prince des princes. Je t'adore, Yahweh. Sois élevé encore. Sois exalté. Sois magnifié. Sois élevé. Sois exalté. Le roi des rois. Il n'y a aucun Dieu qui peut s'égaler à toi. Il n'y a aucun faux Dieu qui peut s'égaler à toi. Tu es l'unique Dieu. Tu es le seul. Tu es le Dieu de puissance. Tu as la puissance en toi. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de victoire. Il n'y a aucun Dieu qui peut s'égaler à toi. Tu es tout pour nous. Tu es notre bouclier. Tu es notre paraclet. Tu es notre tout. Tu es notre ami fidèle. Tu es notre papa adoré. Oh, sois élevé. Sois exalté. Sois magnifié. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut s'égaler à toi? Tu es un Dieu vivant. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est toi qui as les derniers mots dans notre vie. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oh, les créateurs incréés, c'est toi. Les créateurs incréés, c'est toi. Les créateurs incréés, c'est toi. Oui, je te loue ce matin. Je te loue ce matin. Je t'adore ce matin. Je te loue ce matin. Sois élevé. Entre chez moi. Je t'ouvre la porte de ma maison. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Mets encore plus d'amour dans mon cœur pour toi. Mets encore plus d'amour dans mon cœur pour toi. Mets encore plus d'amour dans mon cœur pour toi. Je t'invite ce matin. Je t'invite ce soir. Entre dans ma maison. Viens t'assiéger dans ma maison. Viens t'assiéger dans mon foyer. Viens t'assiéger dans mon mariage. Viens t'assiéger dans mon ministère. Viens t'assiéger dans mes projets. Viens t'assiéger dans mes projets, dans mon travail. Viens t'assiéger, Yahweh. Viens t'assiéger dans mes finances. Là où tu résides, l'ennemi n'a pas sa place. Là où tu résides, l'ennemi ne peut pas régner. Viens régner chez moi. Viens régner chez moi. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans ma maison. Rekereyabosa. Rantakarayaboshi. Viens régner chez moi. Je t'adore ce matin. Je t'ouvre la porte. Que le roi de le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est ce roi de gloire. Alléluia, le commandant en chef des armées célestes. Oh Seigneur, je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin. Le Dieu de restauration, c'est toi. Le Dieu de guérison, c'est toi. Le Dieu de témoignage, c'est toi. Rebo Santa Karabouche. Merci Jésus. Merci Papa. Je te remercie pour le souffle de vie. Je te dis merci pour ta protection dans nos vies. Je te dis merci pour les choses visibles, pour les choses invisibles dans nos vies. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Je te dis merci pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Que nous le verrons s'accomplir. Même si nous ne le voyons pas pour le moment, nous le savons par la foi que tu as déjà accompli. Toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Au nom
nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel veut, bien aimé, nous allons aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est combattre les géants sur nos montagnes. Les géants énormes là, qui veulent pas bouger, qui veulent pas laisser place à notre Dieu. Nous commandons à ces géants de dégager, de dégarpiller dans nos vies, afin que le roi de gloire puisse régner dans chaque domaine dans nos vies. Nous allons combattre aujourd'hui les géants sur nos montagnes. Les géants, c'est le Goliath de nos vies, les Philistins, tout ce qui n'est pas des dieux. Nous allons les déraciner dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel veut que nous soyons sur la montagne des bénédictions. C'est ça que l'Éternel veut pour nous, surtout en 2021. C'est une nouvelle saison. Celui qui est assis sur cette montagne est assis sur la bénédiction, sur l'élévation, bien-aimé, sur les succès dans nos vies, sur le miel et les laits. Alléluia! Il ne faut jamais abandonner, bien-aimé, sa montagne aux mains de ses ennemis. Il ne faut jamais abandonner sa montagne aux mains de ses ennemis. Il ne faut jamais, jamais abandonner, parce que c'est le lieu où se trouve toutes tes bénédictions, toutes tes bénédictions, bien-aimées. Les géants spirituels, ce sont des hommes forts dans nos vies sataniques. Ce sont les hommes forts qui utilisent les moyens surnaturels pour nous combattre, pour nous nuire. Géant puissance surnaturelle égale puissance surnaturelle. Géant égale puissance surnaturelle. Les hommes et les femmes fortes sataniques qui se sont emparés de notre héritage, qui se sont emparés de chaque domaine dans nos vies, nos mariages, nos ministères, travail, finances, nos projets, nos études. Alléluia, c'est ça les géants. Nous allons les déraciner aujourd'hui. Nous avons la foi qu'ils vont être déracinés, ils vont dégarpiller, ils vont laisser la place au roi de gloire ce matin. J'ai la foi que cela sera accompli dans nos vies aujourd'hui, pas demain. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons bien aimé Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros, les héros plutôt, qui furent fameux dans l'Antiquité. Josué 14, verset 11 à 13. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Et j'ai autant de force que j'en ai alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour l'héritage. Que la parole de Dieu soit bénie, bien aimée. Nous allons prier dans ce sens-là. Nous avons déjà remercié notre Dieu pour sa protection. Nous allons demander à Dieu de nous laver, de nous purifier. Merci Seigneur pour ton sang qui coule dans mes veines, ton sang qui brise les jougs ce matin, ton sang qui déracine tout ce qui n'est pas de toi, tout péché conscient et inconscient, ton sang qui me donne la victoire, ton sang qui enlève toute malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, que ton sang me donne la victoire, que ton sang me lave de la tête aux pieds dans le nom de Jésus. Je me plonge dans ton sang. Saint-Esprit de Dieu, viens me remplir ce matin d'une onction fraîche, d'une double onction, afin de briser le joug, afin de déraciner les montagnes, afin de briser les malédictions, afin de briser les malédictions, afin de donner l'ordre à l'homme fort ou la femme forte de dégarpiller dans nos vies. Et cela sera accompli dans le nom de Jésus. Remplis-moi d'une onction fraîche. Viens me remplir, Saint-Esprit. Remplis mon âme, remplis mon corps, remplis mon esprit, remplis mon âme. Viens me remplir maintenant. Remplis-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, prions.
dans le sens des versets que nous venons de lire, mon âme te bénit, éternel mon Dieu, que tout ce qui est à moi te bénisse, tout ce qui est à moi bénisse ton saint nom, alléluia, mon âme te bénit, ô éternel, répétons ensemble, prions ensemble, et n'oublie aucun de tes bienfaits, je n'oublie aucun de tes bienfaits, c'est toi qui pardonnes toutes les iniquités, c'est toi qui pardonnes toutes les iniquités, et qui guérit toutes les maladies, et qui guérit toutes mes maladies, c'est toi qui délivre, c'est toi qui délivre, c'est toi qui délivre, alléluia, c'est toi qui délivre ma vie de la fosse et qui me couronne de bonté, tu me couronnes de bonté et de miséricorde, tu me couronnes de bonté et de miséricorde, éternel des armées, tu rassasis des biens à vieillesse et tu me fais rajeunir comme l'aigle, tu me fais rajeunir comme l'aigle, tu me fais rajeunir comme l'aigle. Au nom de Jésus, tu es celui qui défend mon droit. Tu es celui qui défend mon droit dans chaque domaine de ma vie. Tu es celui qui défend mon droit contre les plus forts que moi et qui me délivre de l'errement. Tu me délivres de l'errement. Tu me délivres de l'errement au nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde, pour ta compassion envers moi, pour ta compassion envers moi, car tu es riche en bonté et lent à la colère. Tu es riche en bonté et lent à la colère. Ta bonté est grande pour tous ceux qui te craignent. Ta bonté est grande pour tous ceux qui te craignent. Au nom de Jésus, éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ton trône est établi dans les cieux. Ton trône est établi dans les cieux. Ton trône est établi dans les cieux et ton règne domine sur toutes choses. Ton règne domine sur toutes choses avec les anges et toute ta création. Avec tes anges et toute ta création, je t'adore, je te loue. Père éternel, au nom de Jésus, je confesse que je demeure sur la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, de Yahweh, mon Dieu, et que je suis assise avec Christ sur cette haute montagne divine, au-dessus de tous les pouvoirs, au-dessus des dominations, au-dessus des ténèbres, au-dessus des ténèbres, au nom de Jésus. Père céleste, par la foi ce matin, je reçois l'onction de Caleb, je reçois la vigueur, je reçois la force pour combattre les géants, pour combattre les géants qui occupent ma montagne et pour les chasser hors de mon héritage, pour les chasser hors de mon héritage au nom de Jésus, pour les chasser dans mon foyer, dans mon mariage, pour les chasser dans mon ministère, dans mon travail, pour les chasser dans mes finances, dans mes projets, dans mes études, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ou dans mon futur mariage, au nom de Jésus, éternel mon Dieu, alléluia, dites avec moi, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, je confesse que je demeure sur la montagne de Sion et du Dieu vivant Yahweh, mon Dieu, que je suis assis avec Christ sur cette montagne divine, au-dessus de tous les pouvoirs de domination des ténèbres, au nom de Jésus. Père céleste, par la foi, je reçois l'onction de Caleb, je reçois la vigueur et la force pour combattre les géants qui combattent, qui occupent ma montagne, pour les chasser hors de mon héritage. Éternel mon Dieu, que la puissance de tous les géants de ma vie qui s'élèvent contre ma destinée et celle de mes enfants, celle de mon époux, soit brisée par ta force, soit brisée par ta force. Dites épouse si vous êtes un homme, soit brisée par ta force. Ô Dieu, libère sur ma vie ta gloire. Fais de moi ton sanctuaire, fais de moi ton sanctuaire, ton domaine, fais de moi un vase qui va transporter ta gloire, que ta gloire m'enveloppe ce matin, que ta gloire m'enveloppe ce matin. Père céleste, je sois le transporteur de la gloire, que je sois le transporteur de la gloire. Déverse sur moi ta gloire, viens déverser sur moi ta gloire. Ô Dieu, la gloire qui était sur Judas et qui a fait fuir les montagnes lorsqu'elles l'ont vue, que cette gloire vienne sur moi, Père, que cette gloire vienne sur moi, Père, et que toutes mes montagnes s'écroulent ce matin.
Que toutes mes montagnes s'écroulent ce matin. Toutes mes montagnes s'écroulent ce matin. Les montagnes pour mon futur mariage s'écroulent ce matin. Les montagnes pour mon mariage s'écroulent ce matin. Les montagnes dans mon travail s'écroulent ce matin. Les montagnes dans mon ministère s'écroulent ce matin. Les montagnes dans mes finances s'écroulent ce matin. Père Céleste, je viens sur la montagne sainte ce matin pour recevoir ta gloire. Père, je désire opérer avec ta gloire. Libère ta gloire sur moi. Libère ta gloire sur moi. Libère ta gloire sur moi. Sur moi. Réveille-moi des vêtements de ta gloire. Réveille-moi des vêtements de ta gloire. Que ta gloire me couvre ce matin et m'enveloppe. Que ta gloire me couvre et m'enveloppe. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, tout nuage satanique qui me couvre, tout lien satanique qui me suit, tout lien de destruction qui est au-dessus de moi, qui constitue une montagne devant moi, qui constitue une montagne devant moi. Oh Dieu, libère ton vent de l'Occident pour les disperser, pour les éloigner de moi, pour les disperser, pour les éloigner de moi. Au nom de Jésus, pour les disperser, pour les éloigner de moi. Au nom de Jésus, Père Céleste, tout nuage satanique qui me suit depuis mon lieu de naissance, tout nuage de malédiction, d'oppression qui me suit depuis ma famille paternelle, maternelle, ce soir, ce matin, je les oppose au vent de l'Ouest. Je les oppose au vent de l'Ouest, de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père Céleste, toute ombre d'une personne avec laquelle mon âme est liée, toute ombre qui éloigne de moi les gens qui sont susceptibles de m'aider, papa, qui éloigne de moi mes bénédictions, Yahweh, toute ombre utilisée par mes ennemis pour me combattre, toute ombre satanique qui m'empêche d'entrer dans mes destinées, oh, qui crée une barrière, un blocage dans ma vie, qu'elle soit dispersée par les vents d'Occident de l'Éternel, au nom de Jésus. Que toute ombre de l'Éternel familier, que toute ombre de l'Esprit plutôt familier, que toute ombre de l'Esprit familier qui me suit, Yahweh, qui me suit, Yahweh, soit détachée de moi par ta gloire, soit détachée de moi par la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, que ta présence engloutisse ce matin, ce soir, toute ombre satanique qui me suit, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, toute ombre de mort, toute ombre de malédiction dans ma vie, toute ombre de mes ancêtres avec qui mon âme est liée, qui marche devant moi, qui me suit, j'ordonne ce matin que la présence de l'Éternel et la gloire de l'Éternel l'engloutisse au nom de Jésus. Père Céleste, que tous les yeux sataniques qui me suivent soient aveuglés par le feu, soient aveuglés par le feu, soient aveuglés par le feu. Que toute ombre représentant les yeux sataniques qui suivent mes destinées soient aveuglés par le feu. Je libère le feu divin dans ses yeux au nom de Jésus. Je libère le feu divin dans ses yeux au nom de Jésus. Père Céleste, que toute main satanique, toute main de méchanceté, toute main longue et crochue, papa, toute main satanique de mes ancêtres qui sort depuis les tombes, depuis ma ville de naissance, depuis les profondeurs des eaux, depuis les hôtels qui suivent mes destinées, qui suivent les destinées de mon mari, de mes enfants et qui nous ramènent en arrière, toute main des cadavres qui me tire vers les tombeaux, toute main des malédictions qui me propulse dans l'échec ce matin, ce soir, que la main de l'Éternel les frappe puissamment, 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 que la main de l'Éternel les frappe puissamment. Père Céleste, toute main qui agit depuis mon lieu de naissance, pour me ramener au village, pour me ramener dans mon lieu de naissance, dans mon pays de naissance. Toute main qui veut me faire sortir de mon mariage, me faire sortir de mon travail, me faire sortir de mes bénédictions, de mon foyer, de mon travail, de mes études, de mes destinées, j'ordonne qu'elle soit asséchée par le feu. J'ordonne qu'elle soit asséchée par le feu du jugement divin. Et je la coupe avec l'épée forte. Je la coupe avec l'épée forte, dure et grande de l'Éternel.
l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité dans le nom de Jésus. Toi, géant de la sorcellerie, qui m'attaque, qui attaque mon époux et mes enfants, sois renversé et consumé par le feu. Père céleste, par la puissance sans limite, que tout géant qui est à mes trousses tombe et meurt à la manière de Goliath. Tombe et meurt à la manière de Goliath dans chaque domaine dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je libère le feu dans les yeux de tous les géants qui opèrent à partir des eaux, qui oppressent ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous géants qui sont assis sur ma prospérité, Yahweh, je vous décapite par l'épée. Je vous décapite par l'épée de feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout géant d'esprit de mort qui harcèle ma vie, qui veut m'engloutir, je t'engloutis par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Sois englouti dans la victoire, sois englouti dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout géant de pauvreté assis sur mes finances, tout géant qui me tient dans la servitude, tout héritage de pauvreté qui a un droit légal sur ma richesse, périsse maintenant par le feu. Périsse maintenant par le feu. Périsse maintenant par le feu. Père céleste, lève-toi. Consume par ton feu dévorant tous les géants des maladies, tous les géants d'infirmité qui attaquent ma vie, qui attaquent mon organisme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous mettez votre main sur les membres malades, si vous êtes, ou sur le ventre, peu importe là où vous avez mal. Vous dites, toi, démon d'infirmité, toi, démon de maladie, et tu es un étranger dans mon corps. Je te déloge par le feu ce matin. Je te déloge par le feu. Libère-moi et meurs. Libère-moi et meurs. Libère-moi et meurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu prononces le nom de Jésus, toute maladie fléchisse les genoux. Tout ce qui n'est pas de Dieu fléchisse les genoux. Père céleste, je déclare qu'à partir de maintenant, mes bénédictions ne peuvent plus rester dans la main des géants. Au nom de Jésus, ô Dieu, dévoile toutes les stratégies que les géants utilisent contre moi. Au nom de Jésus, Père céleste, par la puissance de ton esprit en moi, par la puissance de ton esprit qui vit en moi, aucun géant physique, aucun géant spirituel, visible et invisible, ne peut m'empêcher d'entrer dans mes bénédictions en cette année 2021. Au nom de Jésus, Père céleste, par ta protection sur ma vie, je viens déclarer et décréter que je ne mourrai pas et que je ne tomberai pas sur le chemin de mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, mes bénédictions ne seront pas abandonnées entre les mains des géants. Au nom de Jésus, entre les mains des marabouts, des occultistes, de l'homme fort, de la femme forte, au nom de Jésus. Père céleste, parce que tu es avec moi, les géants seront toujours comme des sauterelles à mes yeux et non le contraire. Au nom de Jésus, Père céleste, je déclare que tout géant de ma vie financière, tout géant de ma vie spirituelle, maritale, tout pouvoir des ténèbres, tous les esprits de la mort, de l'enfer, sont dépouillés de leur protection, de leur pouvoir et tombent sur mon pouvoir, tombent sous mon pouvoir, tombent sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, que les hommes forts, les hommes méchants qui m'environnent soient dépouillés de leur pouvoir, de leur protection, au nom de Jésus. Ésaïe 29, verset 5, « La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. » Alléluia. Et cela tout à coup, en un instant. Alléluia. Que cette parole soit esprit et vie dans les camps des ennemis. Père céleste, que toute protection de mes ennemis soit ôtée et enlevée. Tous ceux en qui ils ont mis leur confiance, papa, et tous ceux qui couvrent leur puissance, soient maintenant réduits en fine, soient maintenant réduits en fine poussière par ton feu, par ton feu,
par ton feu au nom de Jésus. Père Céleste, expose leur nudité, que leurs armes secrètes soient dévoilées. Je lance le feu dans les armes fortes de mes ennemis. Je lance le feu dans la source de leur pouvoir. Je lance le feu sur leurs autels, sur leurs forteresses sataniques, brûlées en cendres, en désolation totale, au nom de Jésus. Père Céleste, ce matin, cette nuit, envoie tes armes lourdes dans les camps de mes ennemis et dépouille-les de tous leurs pouvoirs, qu'ils ne puissent trouver ni protection, ni renfort au nom de Jésus. Père éternel, par ta puissance, que la protection des sorciers, des mystiques dans mon pays d'origine, dans mon quartier, soit dépouillée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, cette nuit, que les flèches de feu de l'Éternel les atteignent, que les toits de leur chambre et les portes de leur maison soient ôtées, que la pluie de destruction tombe sur leurs autels. Aujourd'hui même, si vous connaissez même un nom, vous mélangez dedans. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé l'Orient, toi qui as créé le ciel et la terre, qui change les ténèbres en aurore, toi qui obscurcis les jours pour en faire la nuit, papa, toi qui appelles les eaux de la mer pour les répandre à la surface de la terre, toi dont le trône est établi sur la justice et l'équité, fais lever la rune sur tous les puissants géants de ma vie qui refusent de quitter ma montagne de bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui refusent de quitter ma montagne de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Détruis leur forteresse ce matin. Détruis leur forteresse et donne-moi la paix de tous côtés. La paix qui vient de toi, pas la paix de ce monde qui est limité. La paix qui vient de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout rassemblement des forces des ténèbres assigné contre moi et ma famille en représailles à mes déclarations prophétiques soyez dispersés par les tonnerres de feu de l'Éternel. Je couvre ma vie. Si vous allez dormir, vous êtes le soir chez vous, je couvre mon sommeil, je couvre mon travail la journée, mon esprit, mon âme, corps, mes enfants, mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et notre vie de prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions notre Dieu car il nous exauce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier Dieu encore pour Rebo Santa Karaboshe. Nous allons continuer notre prière. Je ne sais pas si on peut prier jusqu'au thème que je veux, mais je regarde les temps parce que c'est pour ça qu'on fait speed. Mais bon. Rebo Santa Karaboshe. Lisons Ésaïe 57, verset 20-21. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et l'immonde. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ésaïe 43 d'abord, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Alléluia. Nombre 16, verset 28, 35. Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, mais si l'Éternel fait une chose et nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel comme il achevait de prononcer toutes ces paroles. La terre qui était sous eux s'est fendue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec toutes les personnes de Corée et tous leurs biens, ils descendirent vivants dans les séjours des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consumant
et consumant les 250 hommes qui offraient les parfums. Alléluia. Nous allons prier Dieu, bien-aimé Saint-Esprit, j'accueille ta présence dans ma famille. Viens et couvre chaque membre de cette famille, ma famille naturelle, ma famille spirituelle, sous tes ailes puissantes. Je te remercie pour les cadeaux de la vie, de la paix, de ton amour, que tu nous renouvelles encore en ces jours. Je remets la vie de tous les membres de cette famille entre tes mains. Règne sur nos cœurs et nos pensées et purifie nos émotions. Sois les ciments qui nous unissent, Seigneur, et les miels qui coulent dans nos relations, communications familiales, au nom de Jésus. Entoure-nous de ta protection. Éloigne tout mal et tout piège de notre chemin. Pourvois, Seigneur, à tous nos besoins physiques et spirituels, Yahweh. Augmente et développe en nous la soif de Dieu. La soif de Dieu et le désir de l'aimer davantage et de les servir. Garde nos enfants et petits-enfants des ruses du diable de ces siècles. Garde nos époux du ruse du diable de ces siècles. Et attise en eux le feu du bien et de la haine du mal au nom de Jésus. Éternel, ta parole déclare que lorsque tu nous approuves, les cœurs de nos ennemis sont disposés à notre endroit. Père, que ton approbation soit sur ma famille et sur moi, afin de nous préserver de nos ennemis puissants au nom de Jésus. Père Céleste, dispose favorablement à mon égard le cœur des ennemis de mon mariage, les ennemis de mon ministère, les ennemis de mon travail, les ennemis, vous mettez le nom que vous voulez, alléluia, mon époux, le Père Céleste dispose favorablement à mon égard le cœur de mon mari, le cœur de mon époux, le cœur de mes supérieurs hiérarchiques, le cœur des autorités de ces pays, le cœur de mes voisins, le cœur de mes frères et sœurs, le cœur de ma famille spirituelle, de chacun d'entre eux, le cœur de mes ennemis. Alléluia, dispose à ma faveur ce matin. Dispose à ma faveur ce matin. Genèse 35, verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Seigneur, que mes ennemis sachent aujourd'hui que tu es avec moi et qu'ils me craignent à cause de ta bonne main posée sur ma vie. Posez sur moi au nom de Jésus. Éternel, que ta présence sur ma vie ne soit jamais conjuguée au passé pendant ma vie terrestre, mais que ton esprit demeure sur moi tous les jours de ma vie. Éternel, mon bouclier, mon rocher de mon salut, le rocher de mon salut, mon roi, mon défenseur, tire vengeance des ennemis de ma maison et sécurise-nous, ma famille et ma descendance au nom de Jésus. Père éternel, par le sang de Jésus, que ma maison trouve grâce à tes yeux et que jamais ta bonté se retire de ma maison, de ma descendance, au nom de Jésus. Ésaïe 48, verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel par la parole, ô Dieu. Je viens déclarer que tant que nous vivrons, ma maison et moi, il n'y aura point de sécurité ni de paix pour nos ennemis, les ennemis de mon mariage, de mon foyer, de mes enfants. Tout pouvoir, toute personnalité qui me déclare digne de mort, mourra à ma place au nom de Jésus. Toute personnalité qui déclare mon époux, mes enfants dignes de mort, mourra à leur place au nom de Jésus. Tout pouvoir qui cherche la vie des membres de ma famille donnera sa vie à sa place au nom de Jésus. Tout messager, Rebo Santa Karaboshe. On va y arriver, bien-aimé, tout messager de la mort, toute personne qui a été envoyée, tout messager de la mort vers moi, à ma maison, je t'arrête par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne de retourner contre ton commanditaire au nom de Jésus. Je t'ordonne d'être renvoyé à l'envoyeur. Au nom de Jésus, je déclare le retour à l'expéditeur. Je t'ordonne de retourner contre ton commanditaire au nom de Jésus et ton exécutant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout roi qui réclame ma vie à cause du bien que j'ai fait à son ennemi, papa, tombe paralysé à terre. Par le sang de Jésus, j'annule toute sentence de mort suspendue sur ma vie à cause du bien que j'ai fait aux ennemis des méchants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, mon Père, fais taire la rage
de la colère dans le cœur de ceux qui me jalousent à cause de ta grâce sur ma vie. Tout mandat de destruction lancé contre la vie, contre ma vie, contre ma famille, contre mon foyer, mon mariage, dans chaque domaine dans ma vie, soit arrêté maintenant par la croix de Jésus. Soit arrêté par la croix de Jésus. Alléluia. Je décrète et je déclare que l'épée qui s'élève contre moi et ma famille, contre ma famille et moi, se retourne contre celui qui la tient. Au nom de Jésus, je révoque tout décret royal assigné à saccager ma vie. Par l'onction royale sur ma vie, au nom de Jésus, par l'onction puissante du Saint-Esprit, que les bras de mes ennemis se paralysent maintenant. Que les bras de l'ennemi de mon mariage, de mon ministère, de mon travail, de mon futur mariage, de mes futurs projets, de mes projets soient paralysés par les jugements célestes. Que tout mandat d'arrêt lancé contre moi et ma famille et depuis les ténèbres soit révoqué, soit consumé par le feu de Dieu. Sang de Jésus, attaque tous les sorciers regroupés contre ma famille et moi. Au nom de Jésus, sang de Jésus, attaque tous les sorciers regroupés contre ma famille et moi. Au nom de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, attaque tous les sorciers regroupés contre ma famille et moi. Au nom de Jésus, que cela soit, cela soit prise en compte cette fois au nom de Jésus. Que tout sorcier, sorcière en projection astral contre ma famille et moi soit bloqué hors de ton corps à jamais au nom de Jésus. Soit bloqué hors de ton corps à jamais au nom de Jésus. Je révoque et j'annule toute alliance et tout verdict des ténèbres, toute manipulation occulte, maléfique, planifiée pour fermer les portes de mes percées au nom de Jésus. Père céleste, dès le moment où j'ai commencé à prier, tu as envoyé ton ange de bénédiction sur ma vie. Que tout esprit démoniaque assigné à l'intercéder soit arrêté par l'archange Michaël, soit arrêté par l'archange Michaël au nom de Jésus. Éternel, de même que les nuages interceptent les rayons du soleil qui est ennué de feu, intercède toutes les flèches, mauvais sorts, incantations et charmes des méchants lancés contre moi et mon époux, mes enfants, contre ma famille et moi, au nom de Jésus. Je déclare par le feu du Saint-Esprit que toutes les malédictions et incantations des méchants prononcées contre ma famille et moi depuis le jour de notre naissance soient annulées et sans effet, au nom de Jésus. Toute pollution spirituelle héritée ou acquise qui m'empêche de vivre une vie d'excellence, disperse-toi par le feu et sois évacué de mon existence par le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Job 31, verset 3 nous dit, « La ruine n'est-elle pas pour les méchants et les malheurs pour ceux qui commettent l'iniquité ? L'Éternel, que cette parole visite maintenant toutes les habitations des hommes de sang qui méditent les mâles et qui abrège les vies des innocents. Que cette parole ne revienne pas à toi sans avoir exécuté tes desseins au nom de Jésus. Nombre 16, verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui les appartient, qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, alléluia, dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Père céleste, que tous ceux qui te méprisent en se rébellant contre ton autorité, qui se confient dans leur pouvoir diabolique pour tuer, Seigneur, pour voler et ruiner la vie de tes enfants, nos vies, papa, reçoivent le châtiment de Corée, d'Atam et Abiram au nom de Jésus. Je lis et je chasse tout esprit de rébellion caché en moi, esprit d'orgueil, esprit de rébellion, sors, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Ressort au nom de Jésus. Je rejette tout caractère de Corée, d'Atam et Abiram qui combat le Moïse en moi et d'autorité. Et l'autorité placée au-dessus de moi. Et l'autorité placée au-dessus de moi. Au nom de Jésus. Éternel, donne-moi l'esprit humble, persévérante, zélé et soumis de Josué pour te servir dans un esprit pur, dans un cœur bien disposé. Au nom de Jésus. Alléluia. Louons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh.
Viens toucher nos familles, Jésus. Levez les mains vers les pères. Dites, Père Céleste, voici mes mains, bénis-les. Si vous avez l'huile d'onction, mettez l'huile d'onction sur vos mains. Voici mes mains, bénis-les et rends-les fécondes. Que toute la malédiction sur mes mains soit brisée. Et que toute flèche de sécheresse tirée, toute flèche de sécheresse tirée contre mes mains retourne à l'expéditeur par le feu de Dieu. Je brise les chaînes qui lient mes mains à l'échec, à la pauvreté, à la sécheresse. Secouez vos mains en priant. Je délie mes mains de toute onction de passoir qui gaspille mes avoirs. Au nom de Jésus. Je délie mes mains de toute onction de passoir qui gaspille mes avoirs. Au nom de Jésus. Je trempe mes mains dans le sang de Jésus. Sang de Jésus. Rachète mes mains. Restaure-les dans la vie abondance en Jésus-Christ. Père Céleste, ouvre mes mains pour réussir, pour produire, pour accomplir, pour réaliser, pour la croissance dans les affaires. Fais de mes mains les instruments de succès, des bénédictions à mon nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père Céleste, ouvre mes mains pour réussir, pour produire, pour accomplir, pour réaliser, pour la croissance dans les affaires. Fais de mes mains des instruments de succès et des bénédictions au nom de Jésus. Donne-moi des bénédictions au nom de Jésus. Donne-moi des bénédictions à mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, disperse tes ennemis par la puissance de ton bras. Que tous ceux qui se complaisent à faire le mal, à boire le sang, à tuer, à détruire et verser le sang périssent maintenant. Périssent par la puissance de ton bras et que leurs souvenirs soient effacés de la terre. Que la ruine s'abatte sur tous les sorciers et sorcières qui refusent de me laisser aller et sur leur forteresse, papa, afin que nous vivions dans la paix et la sécurité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons faire une action prophétique. J'espère vraiment qu'on peut tout finir aujourd'hui. Malgré la fatigue, je vais continuer. Que le Saint-Esprit prenne place. Que le Saint-Esprit prenne toute la place. Vraiment. Qu'on arrive à finir. Coréa Boché. Mon ami est mon Jésus. C'est toi, Seigneur. Nous allons faire une action prophétique sur les autels. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire ça sur... Nous allons faire notre prochain thème, ça serait action prophétique sur les autels. Et je vais faire au moins 3 thèmes d'affilée. On va s'arrêter là, bien-aimés. Voilà, on va s'arrêter là. Je ferai quand je serai vraiment en forme. Quand je serai... Et puis, il ne reste plus beaucoup de minutes. Donc, j'ai peur qu'on soit coupé plutôt. Que la vidéo se coupe. On n'est pas en direct, bien-aimé. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va dire à Dieu. On remercie notre Dieu qu'il soit remercié car il a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. Pour les choses visibles, pour les choses invisibles. Car il a exaucé nos prières. Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour tes signes, tes prodiges, tes miracles dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour les choses visibles, pour les choses invisibles. Merci Seigneur, merci Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous plongeons toutes ces déclarations prophétiques dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Partagez la vidéo pour bénir quelqu'un. Cela peut sauver l'âme d'une personne qui n'est même pas en Jésus-Christ. Donc, vos partages, c'est votre participation. C'est pour évangéliser. Quand vous vous abonnez aussi, et ça donne une bonne référence à la vidéo. Et quand vous aimez aussi, vous appuyez sur la main gauche. Il faut aimer la vidéo aussi. Ça donne une bonne référence pour que la vidéo soit visible. Voilà, partagez. Et que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel bénisse vos familles. Shalom, shalom.